L'insuffisance rénale, c'est la réduction ou l'impossibilité des reins à assurer la filtration et l'élimination des déchets du sang. Elle peut être causée par toute maladie maltraitée, dont les plus connues sont le diabète et l'hypertension artérielle. On parle d'insuffisance rénale lorsque on trouve un taux élevé d'urée et de créatinine dans les urines. On l'appelle en général le tueur silencieux, donc c'est une maladie qui peut tuer. Pour mieux faire prendre conscience aux populations des risques liés à cette maladie, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, institue la Journée mondiale du rein. En Côte d'Ivoire, le foyer des jeunes d'Adjoufou, dans la commune de Port-Boué, abrite l'événement. Des séances de dépistage, des conseils et autres séances de sensibilisation afin de faire connaître les risques et moyens de prévention de cette maladie. Nous sommes venus pour se faire dépister. C'est une maladie qui n'est pas bien. Donc il faut que tu contrôles pour qu'on puisse te suivre, pour te soigner. La Journée mondiale du rein est une opportunité qui nous a donnée pour pouvoir sensibiliser les populations sur les maladies du rein. Le point fort de cette journée, c'est de faire en sorte que la population puisse être informée de l'existence de sa maladie chronique dont la prise en charge revient très chère. La prévalence hospitalière de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire varie entre 39 et 52% selon le service de néphrologie du CHU de Yopougon. Ils sont environ 500 malades traités par hémodialyse dans les CHU d'Abidjan.